La conductrice et la passagère de cette décapotable ont eu bien de la chance. Peu après 8 heures, leur voiture s'est encastrée pour une raison encore indéterminée sous le plateau de ce semi-remorque espagnol dont le chauffeur a d'abord cru à une crevaison à l'arrière. Par chance, le pneu de secours du camion et les airbags de la voiture ont bien amorti le choc. La conductrice a pu s'extraire seule de l'habitacle, mais son amie a dû être désincarcérée. En état de choc, elles ont été évacuées vers l'hôpital pour un contrôle médical.